pour une nouvelle vidéo haul. Alors, nous allons commencer par Custo Déco. Pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour patienter, j'ai passé une commande sur Custo Déco, une commande personnelle, mais on en a profité pour ne pas faire 50 colis et pour les frais de port. Avec Nathalie de Custo Déco, on en a profité pour que je puisse recevoir ma DT de juin. J'ai très envie de commencer à l'ouvrir et de commencer à travailler avec, mais je n'ai pas fini. Vous voyez là, c'est mes DT de mai. Je n'ai pas fini mes DT de mai, donc je vais d'abord finir et après je commencerai juin. Donc vous verrez tout ce que j'ai commandé. Je pense fin mai, donc il va falloir patienter un petit peu. Moi, il va falloir que je le range et que je n'y touche pas, ça va être le plus dur. Et je vous montre quand même ce que j'ai commandé personnellement. J'ai choisi cette magnifique étagère pour pouvoir ranger mes tampons bois. Je vous montre ça. C'est vraiment une très belle étagère qui mesure plus 60 par 40. Je vais m'approcher un petit peu et je vais vous montrer ça. Donc c'est, on a des petites étagères derrière avec des petits rondins qu'on plante dans les trous et on met nos étagères où on veut en fait. Et ça, j'adorais le principe. Je vais vous faire quelque chose avec. C'est pour ça que je m'étais acheté cette toile chez Action, qui fait à peu près 40 par 50, donc on a 10 cm de plus sur l'étagère. Et ça me donnera quand même une bonne idée, j'ai envie de créer de l'acrylique pouring à ma manière. À la manière Claire, je vais l'inventer, je vais vous inventer une nouvelle technique. Ensuite, j'ai passé commande pour cette mallette, j'en ai repris une. Donc celle-ci est vide, je l'ai reçue ce matin. Et celle-ci, c'est la mienne qui est pleine. Je voulais vous montrer un petit peu comment je l'avais organisée. Donc, moi j'ai fait d'abord les saisons. Je vous montre ça comme ça. Ici, j'ai mis d'abord les saisons et les deux violets, c'est mes cols pour mon pistolet à colle chaude. Et ensuite, ici, c'est des thèmes différents. Donc, par exemple, là, on a le thème féerie. Voilà. Le thème mariage. Bébé. Là, c'est les petits nuages. Là, c'est les animaux. Et je vais vous montrer un petit peu parce que... on ne voit pas très bien comme ça. Ouh là là, j'en ai fait tomber. J'ai fait tomber une petite girafe. Donc vous voyez, j'ai des écureuils. Hop, je ne peux pas trop pencher. Et voilà. On voit quelques animaux. C'est en fait des tamponnages découpés que j'ai mis dans ces boîtes-là. Après, j'ai aussi mes Memory Dex. J'ai cette boîte spécialement pour les Memory Dex qui sont déjà découpés. Et j'ai mon die, je ne sais pas où on peut bien le voir, sur la boîte, tiens. J'ai mon die exceptionnellement qui est mis là parce que vraiment, il va servir qu'à ça. Et Memory Dex, on ne s'en sert pas tous les jours. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas une fan de Memory Dex. Et donc, la deuxième, je veux mettre à l'intérieur mes découpes que je fais avec la Big Shot. Enfin, la Big Shot ou la Picut en fait, ou la petite machine comme ça, ou la grosse Big Shot. Voilà, je pousse ça parce que je veux vous montrer aussi autre chose. J'ai une commande de chez Scrap Malin. Donc cette commande-là, je l'ai fait en duo avec ma petite sœur. Donc moi, j'ai pris ce tampon-ci. Je sais pas trop où on regarde pour la caméra. Il va falloir que je m'habitue. Donc ça, c'est de Florilège Design, ça s'appelle La vie qui défile. La vie jour après jour, des choses simples, des petits détails que l'on raconte, de précieuses photographies que l'on regarde avec tendresse, des instants, une famille que l'on capture, que l'on voit s'épanouir, des minutes que l'on voit défiler trop vite, etc. etc. Je le trouve vraiment beau, il est gros, hein, il fait presque ma tête. Et puis ensuite, j'ai pris deux petits pour compléter.
C'était pour avoir aussi les frais de port. Et ça s'appelle 1001 triangles et mini texte moucheté. Le texte moucheté, il existe aussi en grand tampon-bois, je pense, comme ça. Mais pour le si peu que je fais pour l'instant en faisant mes fonds, vu que je débute, voilà, j'ai pris le petit pour commencer. Faut savoir que ça fait que 4 ans en quelque sorte que j'ai commencé le scrap, donc je ne peux pas être une pro dans tous les domaines. Ma sœur, elle s'est pris Soleil et Morito. Voilà. Et ensuite, elle s'est pris des choses de la collection Dipsy parce que moi, j'ai presque tout utilisé. J'ai adoré cette collection et je l'ai beaucoup utilisée. Donc, ma sœur a repris des choses. Et on n'a pas pris chez Custo Déco parce que Custo Déco, ils sont en rupture. Hop, vous voyez, ça, c'est les calques. Et après, donc, c'est tout simplement le bloc. Je vous donne une petite info. Le bloc reviendra sur le site custodeco.com fin juin. Elle a un nouveau réapprovisionnement fin juin pour cette collection. Donc, si vous la voulez et que vous voulez avoir mon code promo qui sera dans la description pour avoir des réductions et au niveau tarif, c'est vrai que Custo Déco, ils sont intéressants. Voilà, il va falloir patienter. Si vous êtes comme nous avec ma soeur et que vous êtes impatiente, bah, il va falloir choisir sur un autre site, sur un autre site internet, voilà, pour pouvoir profiter de cette super collection. Je reprends ma super télécommande et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures!